Bonjour chers élèves, voilà, on arrive à la fin de notre programme avec une révision générale de l'unité 3, 4, 5 et l'unité 6. Et on commence notre révision avec l'unité 3. Pour notre révision, nous allons commencer avec notre premier objectif, c'est d'aborder le lexique de vêtements. Pour cet exercice, nous allons écrire le nom de vêtement sous l'image correspondante. Allez, première image. Très bien, c'est un pantalon. Deuxième. Excellent, c'est un short. Pour la troisième, c'est facile. Bravo, c'est une jupe. Après. Excellent, c'est une robe. Une robe. Après. Une chemise. Ensuite, un t-shirt. Très bien. Après, des chaussettes. L'image qui suit. Excellent. Un pull. Allez, l'image d'après, c'est facile. Très bien. C'est une cravate. Après, on a une casquette. Bravo. Après, des chaussures, très bien. Et enfin, une ceinture, très bien. Allez, on passe à notre deuxième objectif. C'est manipuler l'accord des adjectifs de couleur. Dans cet exercice, on va aborder l'accord des adjectifs de couleur. On va compléter les phrases. On a des personnages, Louis, Pierre, Chloé, Marie, Anne et Lucie. Première phrase, je m'appelle Louis, je mets un short. Très bien, un short bleu. Un t-shirt, quelle est la couleur du t-shirt? Excellent, vert. Et des chaussures marron, bravo. Deuxième phrase. Je suis Pierre, très bien. Je mets un short noir, très bien. Un t-shirt rose, bravo. Et jaune. Et des chaussures marron, excellent. Troisième phrase. Je m'appelle Chloé, je mets une jupe rose, très bien. Chloé, elle porte une jupe rose. Un t-shirt bleu, excellent. Et des chaussures jaunes, bravo. Jaune avec S. Quatrième phrase, je m'appelle Marie, je mets une jupe jaune, très bien. Un t-shirt rouge, excellent. Et des chaussures rouges, très bien. Après, voilà, je m'appelle Anne, on va voir Anne. Je porte une robe jaune et des chaussures marron. Des chaussures marron. Marron ne prend pas S. C'est un adjectif invariable. Dernière phrase. Je m'appelle Lucie. Je porte un short jaune. Très bien. Un t-shirt rose. Excellent. Et des chaussures rouges. Très bien. On passe à un troisième objectif, c'est d'identifier les différentes activités. Ici, pour cet exercice, on va voir les activités. Écrivez le nom du sport qui correspond.
Allez, premier sport ici, c'est le tennis. Très bien. Après, c'est facile. Le basketball, bravo. Troisième. Excellent, le vélo. Après, c'est le ski. Excellent. Football, le football, bravo. Ensuite, le jogging. Excellent. Le sport d'après, c'est le judo. Très bien. Après, on a la planche. Très bien. Après, c'est facile, c'est le golf. Très bien. Allez, dernier. C'est la natation. Très bien. Pour notre quatrième objectif, on va utiliser des verbes jouer, faire et aller. Pour cet exercice, on va compléter les phrases avec la forme correcte du verbe. Ici, on va utiliser le verbe faire, le verbe aller et le verbe jouer. Première phrase, je fais du roller. Très bien. Par la deuxième, excellent, elle joue au basket. Troisième phrase, nous faisons de la natation tous les après-midi. Excellent. Quatrième, chaque dimanche, je vais au stade avec mon père. Très bien. Cinquième, le vendredi soir, il joue au basket. Excellent. Sixième phrase, fais-tu de la planche à voile? Très bien. Septième, mon père ne joue jamais au tennis. Excellent. Et la dernière phrase, elle va au cinéma le week-end. Très bien. Pour l'objectif 5, on va utiliser les adjectifs qualificatifs pour la description physique et morale. Ici, on va faire la description de Obélix. On va faire des phrases. Allez, première phrase. Obélix est un homme. Très bien. Allez, une deuxième. Il est grand et gros. Excellent. Après, il est jeune. Très bien. Il est brun. Excellent. Il a les cheveux longs et tressés. Bravo. Il a les yeux petits et noirs. Très bien. Il a une moustache. Et enfin, il est fort et courageux. Très bien. Allez, on termine avec l'objectif 6. On va appliquer le verbe être et avoir pour faire une description. Maintenant, on va compléter les phrases avec le verbe être ou avoir. Allez, première phrase. Il est gentil. Très bien. Deuxième. Bravo, elle a les cheveux lisses et bruns. Troisième. Nous sommes petits, excellent. Quatrième phrase avec le pronom tu. Tu es gros, bravo. Après, c'est facile. Je suis mince, excellent. Sixième phrase. Nous avons de longs cheveux blancs. Très bien. Allez, la phrase d'après. Bravo, vous êtes heureux. Huitième, avec le pronom elle au pluriel, elles sont tristes. Excellent. Neuvième, ils ont les yeux bleus. Excellent. Allez, dernière phrase avec le pronom elle, c'est facile. Elle est contente. Très bien.
Voilà, on arrive maintenant à la révision de l'unité 4. Premier objectif pour aujourd'hui, c'est nommer le lexique des mois de l'année. Et on commence avec un petit exercice. On va numéroter les mois dans l'ordre chronologique. Voilà, on va commencer à numéroter les mois. Premier mois. Très bien, le mois de janvier. Après, deuxième. Excellent, février. Troisième mois, c'est le mois de mars. Le mois d'après, excellent, le mois d'avril. Ensuite, bravo, le mois de mai. Allez, après, c'est facile. Oui, c'est juin. Excellent. Après, c'est juillet. Bravo. Après juillet, c'est le mois d'août. Allez, neuvième mois. Excellent. C'est septembre. Après septembre, c'est octobre. Excellent. Après octobre, c'est novembre. Très bien. Et enfin, dernier mois, c'est le mois de décembre. Très bien. On passe maintenant à l'objectif 2. On va donner les saisons de l'année. Et on commence avec un petit exercice. On va relier les images aux saisons. Allez, l'arbre 1, l'image 1, c'est... Très bien, c'est l'hiver. Allez, l'image 2, le soleil, c'est l'été. Excellent, très bien. Allez, 3, c'est facile. Avec l'arbre, avec les feuilles mortes, on a l'automne. Très bien. Et enfin, avec l'arbre fleuri, les fleurs et la verdure, on a le printemps. Très bien. Objectif 3. On va aborder le lexique des magasins et des aliments. Et on commence avec un exercice. Où est-ce qu'on achète? Pour acheter, je vais. Donc ici, la première phrase pour acheter du pain. Excellent, je vais. Très bien, à la boulangerie. Excellent. Deuxième phrase pour acheter des fleurs. Pour acheter des fleurs. Excellent. Je vais chez le fleuriste. Très bien. Troisième pour acheter des épices. Pour acheter des épices, je vais. Excellent. À l'épicerie. Allez, quatrième. Qu'est-ce qu'on achète? On va acheter une tarte. Pour acheter une tarte, je vais où? Je vais à la pâtisserie. Très bien. Enfin, pour acheter du poisson. Pour acheter du poisson, je vais. Excellent, chez le poissonnier. On enchaîne avec l'objectif 4, on va donner et demander un prix. Pour cet exercice, on a un petit dialogue entre une cliente et un vendeur. Donc la cliente va demander, ça coûte combien l'appareil photo? Le vendeur, ça coûte. Ici, on a combien coûte l'appareil photo? Très bien. Ça coûte 24 euros. Excellent.
Allez, un petit exercice d'application et une question de calcul. On a ici deux gaufres pour 4 euros. Donc deux gaufres coûtent 4 euros. Notre question ici, on va voir combien coûte une gaufre, après combien coûtent 3 gaufres, combien coûtent 4 gaufres et enfin combien coûtent 5 gaufres. Pour cela, nous allons présenter un petit tableau. Allez, nombre de gaufres. Pour une gaufre, c'est combien? Très bien, c'est 2 euros. Allez, pour 3, 3 gaufres. Ça fait 6 euros. Ensuite, pour les 4 gaufres, ça fait 8 euros. Très bien. Enfin, pour les 5 gaufres, combien coûte 5 gaufres? Excellent. 10 euros. On passe maintenant à l'objectif 5. Exprimer la quantité. Pour cet exercice, on va compléter les phrases. Première phrase, on va dire une tablette de chocolat. Très bien. Allez, deuxième. Excellent. On dit un verre de jus d'orange. Troisième. C'est facile. Une part de pizza. Bravo. Allez, la phrase d'après. Une bouteille d'eau minérale. Excellent. Ensuite, un morceau de camembert. Bravo. Allez, la phrase d'après. Une portion de frites. Une portion de frites. Très bien. Après, un kilo d'orange. Très bien, c'est facile. Excellent, un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons. Après, un pot de confiture. Un pot de confiture. Très bien. Un litre d'eau. Un litre d'eau, bravo. La phrase d'après, une tasse de café. On dit une tasse de café. Allez, dernière, une boîte de sardines. Excellent. Une boîte de sardines. Maintenant, c'est l'objectif. Numéro 6, on va passer une commande dans un restaurant. Allez, pour cet exercice, on va compléter la conversation. On a ici un petit dialogue entre un serveur et un client. Le serveur, bonjour monsieur. Le client, une table pour deux personnes, s'il vous plaît. Très bien, une table pour deux personnes, s'il vous plaît. Le serveur, oui. Vous désirez, le client, comme boisson, je voudrais une. Très bien, une cola. Le serveur est comme entrée. Le client, comme entrée, je voudrais une salade verte. Bravo, une salade verte. Le serveur est comme plat principal. Je voudrais un steak avec des frites. Très bien. Voulez-vous un dessert? Oui, je prends la crème caramel. Très bien. Je prends la crème caramel. Allez, maintenant l'objectif 7. On va faire un rappel au lexique des aliments. Pour cet exercice, on va faire des courses au supermarché. On va acheter quelques aliments
Qu'est-ce qu'on achète? Très bien, des œufs. Quoi aussi? Excellent, de la viande. Qu'est-ce qu'on peut acheter aussi au supermarché? On achète du sucre. On achète du sucre. Très bien. On achète aussi du sel. On achète du sucre et du sel. Qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter aussi du lait. Excellent. On achète du lait. On a besoin aussi. On va acheter de la farine. De la farine. Après, qu'est-ce qu'on ajoute? Du fromage. Très bien. Du fromage. Qu'est-ce qu'on va acheter aussi? On achète de l'huile. On achète de l'huile d'olive, par exemple. Encore des légumes. Excellent. Et des fruits, très bien. On va acheter aussi à nos achats des épices, très bien, des épices. Quoi d'autre? On va acheter du beurre, excellent, on achète du beurre. Allez, on passe à un petit exercice d'application, on va voir la recette des crêpes. On commence avec les ingrédients. On a 300 g de farine, 3 œufs, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d'huile, 50 g de beurre fondu, 75 cl de lait et une cuillère à café de fleur d'oranger. On va mettre la farine dans une terrine et former un puits. Ensuite, on va casser les œufs et ajouter le sucre, l'huile et le beurre. Après, on va mélanger tout ça délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Après, nous allons parfumer de fleurs d'oranger. Ensuite, on va faire chauffer une poêle anti-adhésif. Et là où il est très légèrement. Après, on va verser une louche de pâte, la répartir dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Cuire ainsi toutes les crêpes à feu doux. Enfin, on va déguster les crêpes avec un peu de sucre, de confiture, de miel ou de Nutella. On a les verbes en gras sont à l'infinitif. Pour créer notre livre de recettes, nous devons les conjuguer à l'impératif présent. Allez, à vous de jouer maintenant. Allez, premier verbe. Bravo. Mettez la farine dans une terrine. Après, deuxième verbe. Très bien. Formez un puits. Bravo, cassez les œufs. Ensuite, excellent, ajoutez le sucre, l'huile et le beurre. Allez, bravo, mélangez délicatement avec un fouet en ajoutant au fur et à mesure le lait. La pâte ainsi obtenue doit avoir une consistance d'un liquide légèrement épais. Allez, le verbe d'après. Bravo, parfumez de fleurs d'oranger et faites chauffer une poêle anti-adhésif. Très bien, et là où il est très légèrement. Ensuite, bravo, versez une louche de pâte, la répartissez dans la poêle, puis attendre qu'elle soit cuite d'un côté avant de la retourner. Excellent. Allez, après,
Très bien, cuisez ainsi toutes les crêpes à feu doux. Enfin, dernier verbe. Très bien, dégustez les crêpes avec un peu de sucre, de confiture, de miel ou de Nutella. Et on termine notre leçon d'aujourd'hui avec l'objectif 9. C'est utiliser les connecteurs logiques. Allez, un petit exercice d'application. Vous allez ajouter les connecteurs logiques à la préparation des meringues. Donc, on va voir la recette des meringues. En premier, qu'est-ce qu'on met ici? Excellent, c'est d'abord. D'abord, on met les œufs. Allez, deuxième phrase. Excellent. Après, on mélange avec le batteur. Allez, troisième phrase. Excellent. C'est ensuite. Ensuite, on met du sucre. Allez, quatrième phrase. C'est facile. Très bien. Maintenant, on met le colorant alimentaire. Excellent. Allez, après. Oui, c'est après. On met la pâte sous la forme de montée en neige. Et la phrase d'après, c'est ensuite. Ensuite, on ajoute des bonbons. Allez, la phrase d'après, c'est. Et puis, on les fait cuire dans le four. Excellent. Allez, dernière phrase. C'est très facile. Excellent, enfin on peut les manger. Et bon appétit. Merci. Allez, on passe maintenant à la révision de l'unité 5. Et on commence notre unité ici avec l'objectif 1. On va voir la routine quotidienne. Allez, une petite application ensemble. On va dire que font-ils? Les verbes à utiliser, on a je me couche, il se réveille, il se douche, nous dînons, je vais à l'école, je prends le petit déjeuner, elle se brosse les cheveux et tu t'habilles. Allez, première phrase. Très bien. Il se réveille. Après, deuxième image. Bravo, je prends le petit déjeuner. Allez, troisième, c'est facile, qu'est-ce qu'il fait? Excellent, il se douche. D, très bien, tu t'habilles. Allez, E, c'est facile. Bravo, je vais à l'école. Phrase F. Excellent. Je me couche. Pour la phrase G. Oui, nous dînons. Excellent. Et enfin, H. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Très bien. Elle se brosse les cheveux. Allez, on arrive à notre deuxième objectif, c'est les habitudes alimentaires et sanitaires. Allez, pour notre application ici, que faut-il faire pour être en bonne santé? On va répondre par vrai ou faux. Première phrase, je mange 3 fois par jour. Après, je ne me brosse pas les dents. Troisième phrase, je lave mes mains avant chaque repas. Après, je ne vais pas chez le coiffeur. Enfin, je mange tout le temps des biscuits. Allez, première phrase, je mange 3 fois par jour. Vrai ou faux? Très bien, c'est vrai.
Deuxième, je ne me brosse pas les dents. Excellent, c'est faux. Troisième phrase, je lave mes mains avant chaque repas. Excellent, c'est vrai. Quatrième phrase, je ne vais pas chez le coiffeur. Bien évidemment, c'est faux. Très bien. Dernière phrase, je mange tout le temps des biscuits. Bah, c'est faux. Excellent. Et on arrive à notre troisième objectif. On va voir les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Allez, à notre exercice, on va choisir la bonne réponse. Le matin, je, avec le verbe se réveiller à 8 heures. Qu'est-ce qu'on choisit ici? Très bien, je me réveille. C'est la réponse A. Très bien. Allez, deuxième. Tu, avec le verbe se lever à 7h45. Excellent. C'est la réponse B. Tu te lèves. Allez, troisième. Il, le verbe se laver. Excellent. Il se lave. Réponse B. Allez, quatrième. Nous, avec le verbe se coiffer. Bravo, c'est facile. Nous, nous coiffons. Cinquième, vous s'habiller. Bravo, c'est la réponse B aussi. Vous vous habillez. Et enfin, il, au pluriel, se coucher à 23 heures. Très bien, il se couche, c'est la réponse A. Pour l'objectif 4, on va aborder le lexique du corps. Et on arrive à un petit exercice d'application. On va placer les mots suivants. On a les cheveux, on a un nez, un bras, une oreille, une jambe, un doigt, une main, un ventre, un pied, un œil ou des yeux, une bouche. Et une tête. Allez, pour les cheveux, on va le placer. Très bien, excellent. Après, deuxième mot, on va placer le nez. Un nez. Très bien, c'est le nez. Allez, troisième mot, un bras. Bravo. Après, une oreille. Excellent, c'est facile. Pour la jambe, une jambe. Très bien. Et après un doigt, excellent. Donc, le doigt, on le trouve où? Dans une main. Bravo. Après, on a un ventre. Et à la fin de la jambe, on a un pied. Très bien. Après, on a un œil ou des yeux, au pluriel. Ensuite, une bouche, excellent. Et enfin, le tout, c'est la tête, une tête. Très bien. Pour l'objectif numéro 5, on va voir les sensations et la santé. Pour cet exercice, on va compléter les phrases avec le verbe avoir. Allez, première phrase. Très bien. Tu as faim, donc tu dois manger. Tu as faim, donc tu dois manger. Excellent. Deuxième phrase. J'ai soif, je dois boire un jus d'orange. Très bien. J'ai soif, je dois boire un jus d'orange. Allez, troisième phrase. Excellent. Vous avez mal aux dents, vous devez aller chez le dentiste. Vous devez aller chez le dentiste. Très bien. Allez, dernière phrase. Nous avons froid, nous devons porter des manteaux. Excellent.
Nous avons froid, nous devons porter des manteaux. Et on arrive à l'objectif numéro 6, c'est le temps libre. Le temps libre. Un exercice, que fais-tu pendant ton temps libre? D'habitude, pendant mon temps libre, qu'est-ce que je fais? Très bien, je fais du skate. Je fais du skate. Quoi encore? Très bien. Je fais du vélo. Excellent. Encore, je peux faire. Je fais de la natation. Très bien. Quand j'ai du temps libre, oui, je peux jouer aux cartes. Je joue aux cartes. Ou encore, je vais au stade. Je peux aussi faire de l'équitation. Je fais de l'équitation. Excellent. Parfois, quand j'ai du temps libre, bravo, je joue au football. Ou encore, je vais au cinéma, excellent. Je peux aussi faire de l'escrime. Je fais de l'escrime. Pendant mon temps libre, je fais plusieurs activités, comme par exemple, excellent, je fais du judo. Ou encore, je joue au tennis. Ou encore, je vais au théâtre. Très bien. Allez, on passe maintenant à l'objectif numéro 7. On va voir le futur proche. Pour cet exercice, on va écrire les phrases dans le bon ordre. On a cinq phrases. Première phrase. Très bien, je vais faire de la planche à voile. Excellent. Deuxième phrase. Je vais sortir avec mes amis. Excellent. Troisième phrase. Il va aller au cinéma. Très bien. Allez, quatrième. Mon frère et moi, nous allons faire de la natation. Excellent. Allez, dernière et cinquième phrase. Elles vont manger au restaurant. Bravo. Et on arrive à la révision de la dernière unité, l'unité 6. Pour le premier objectif, on va voir les moyens de transport. Il s'agit de quel moyen de transport? C'est un camion, excellent. Après, bravo, c'est une voiture. Une voiture. C'est facile. C'est une moto. Excellent. Et enfin, on a ici un vélo. Très bien. Et notre série de moyens de transport? Ici, on a un avion, bravo. Un avion. Après, c'est un bus. Un bus, très bien. Troisième, un hélicoptère, excellent. Un hélicoptère. Et enfin, c'est un train. Ici, on a un TGV, un train à grande vitesse, bravo. Pour l'objectif 2, on va voir les propositions A et O. Allez, une petite application, un petit exercice. Tu vas comment? On va utiliser la proposition en ou encore A. Je vais en ou je vais à. Allez, première phrase. On dit
Je vais en voiture. Très bien. Deuxième phrase, je vais avion. Bravo, je vais en avion. Troisième. Excellent, je vais en train. Quatrième. Je vais en taxi. Cinquième phrase, je vais à vélo. Allez pour la sixième. Je vais en ferry. Excellent. Pour la septième phrase, on dit je vais à pied. Bravo. Allez, dernière phrase. Excellent. Je vais à cheval. Très bien. Pour l'objectif 3, on va voir les propositions de lieu. Nous allons essayer de trouver où se trouve le chat rouge. Où est le chat rouge? Il est à gauche. Devant. Après, il est derrière. Ensuite, à côté. Après, il est sur. Sous. Ensuite, à droite de et dans le carreau, en face de et entre les deux carreaux. Et on passe à l'objectif numéro 4. On va voir les points cardinaux. On passe maintenant à une autre application. On a la carte géographique de la France. On va essayer de situer la direction de chaque ville. En premier, on a Besançon et dans l'est de la France. Très bien. Après, Caen est situé dans, bravo, le nord-ouest de la France. En troisième, on a Lille. Lille se trouve dans, bravo, dans le nord de la France. Après, Montpellier est dans, excellent, c'est dans le sud. Pour Nancy, se trouve dans, bravo, le nord-est de la France. Après, Nice est dans, très bien, le sud-est de la France. Biarritz se trouve dans, très bien, le sud-ouest de la France. On a La Rochelle est située dans, bravo, l'ouest de la France. Excellent. Allez, à notre objectif, objectif numéro 5. On va essayer de demander son chemin. Allez, une petite application. Nous allons partir à la gare du point A au point 4. Excusez-moi, je cherche la gare. Allez pour le point A. Vous allez tout droit et vous prenez la deuxième à droite. Très bien. 2. Vous continuez jusqu'à deuxième croisement et vous tournez à gauche. Excellent. Allez, la troisième. Bravo. Vous allez à droite. Après l'hôpital, vous tournez à droite. Et enfin, vous vous garez sur le parking, la gare est en face. Excellent. Voilà, on arrive à notre dernier objectif numéro 6. On va voir la conjugaison du passé composé. Allez, un petit exercice de conjugaison. On va souligner les verbes au passé composé. Première série, j'ai chanté, tu vas trouver, je vais chanter. Où est le verbe au passé composé ici? Très bien, c'est j'ai chanté. Deuxième série, nous avons regardé, nous allons regarder, il a joué. Où sont les verbes au passé composé? Très bien, on a nous avons regardé et il a joué. Excellent. Troisième série. Ils ont dessiné. Ils vont dessiner. Tu as écouté.
Excellent. Ils ont dessiné et tu as écouté. Bravo. Quatrième série, tu vas chercher. Tu as cherché. Elle va jouer. Excellent. Ici, on a tu as cherché, le verbe chercher, conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Cinquième série. Très bien, il a mangé et tu as parlé. Donc, le verbe manger et le verbe parler, conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Allez, un dernier exercice. On va entourer la forme correcte. Elle est arrivée ou elle est arrivée avec un E. Donc ici, on a le verbe arriver conjugué avec l'auxiliaire être. Et comme dit la règle, avec l'auxiliaire être, il y a un accord. Très bien. Arriver au féminin, le E du féminin. Allez, deuxième phrase. Nous sommes montés. Toujours avec l'auxiliaire être. Très bien. Montés, il y a un accord du participe passé. Donc, c'est pluriel avec le S. Troisième, excellent. Ils sont descendus. Il prend S du pluriel. Quatrième, il est allé. Excellent. Donc, c'est masculin, il n'y a pas. C'est pas pluriel ni féminin. Dernière phrase. Elles sont montées. Féminin pluriel. Accord de participe passé avec le E du féminin et le S du pluriel. Excellent. Voilà, on arrive à notre dernière révision pour cette année. Merci pour votre attention et à la prochaine.